Tout à l'heure, j'ai regardé un gars qui diffusait sur le Jedi, machin chose là. Et ce que j'ai vu, ça me rassure pas tellement. Parce que quand je lui ai demandé, est-ce que lui, apparemment, il joue à normal. Alors, si ce que j'ai vu ce matin, enfin, si c'est pareil. Sais pas si ça va me plaire ce jeu. Je sais pas si ça va me plaire. Est-ce que le voir se faire tuer par une espèce de chèvre? Bon, chèvre Star Wars, donc une chèvre Star Wars, une chèvre, voilà, c'est pourtant du moins une chèvre, enfin bref, il s'est fait dégommer par la chèvre, par la chèvre, il s'est fait dégommer par la chèvre, même pas, enfin, elle lui a foncé sur 3 fois, il est mort, quoi. Alors, il avait beau esquiver, mais... Il avait beau esquiver, mais bon, il s'est fait tuer, quoi. Alors, apparemment, alors, je sais pas si en facile la santé se régénère, mais en tous les cas, en normal, elle se régénère pas. Alors, bon, le jeu a pas l'air d'être moche. Graphiquement, c'est vrai qu'il est pas mal. Bon, après, quand je lui ai demandé pour la durée de vie, si c'était pour que ça fasse, si c'est pour que ça se finisse en 3-4 jours, c'est même pas la peine, quoi. Pas la peine. Lui, apparemment, il m'a dit que non. Apparemment. Mais bon, c'est comme tout, hein. Il vaut mieux se baser sur. Je préfère me baser sur ce que je vois à moi. C'est qu'on va dire, hein, mais je préfère me baser sur ce que je vois à moi. C'est peut-être con parce que je vais peut-être acheter le jeu, je vais te dépenser, je sais pas, 70 euros ce jeu. Puis m'apercevoir que le jeu te compte fait, tu finis en 3 jours, puis après c'est fini. Si par contre, le truc intéressant que j'ai vu sur le marché Xbox Live, là, c'est que. En prenant l'édition collector, là, t'as 90 minutes où apparemment le réalisateur du jeu, bah, explique comment il a fait le jeu, quoi. Oh, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Puis ça, je pense que personne n'a diffusé ce mixeur, donc. Bon, par contre, ça va durer 90 minutes, donc 90 minutes, c'est long, quoi. 90 minutes, c'est long. Bien, on verra bien. Et j'ai vu des anciennes têtes là, ce mixeur là. J'ai vu cette terre. Ils ont vraiment pas de culot. Ils ont vraiment pas de culot. Se pointer sur mixeur comme ça là, bec enfariné. Ils ont vraiment pas honte. Ils ont pas honte. Mais bon. À mon avis, hein. Mon nom c'est Jess. Jess Black. Du moment qu'il vient pas m'emmerder. Du moment qu'il vient pas m'emmerder, qu'il vient pas me chercher les poux. Que chacun reste où il est. Ça me va. J'ai pas tellement envie de les revoir sur mon live. Pas tellement envie. Donc je n'ai pas spécialement envie. Donc, que tout le monde reste dans son coin et puis. Que tout le monde reste dans son coin et tout le monde soit content. Comme ça. Tout le monde est content. Personne est. Personne n'emmerde personne. Par contre, j'ai vu aussi des jeux sur le marché Xbox, mais bon, je pense que si on attend
Je pense que si on patiente un peu, ils seront sûrement dans le Game Pass. Comment ça s'appelle? C'est un jeu qui coûte 20 euros, mais bon, ça me fait chier de payer 20 euros pour un jeu qui va peut-être être fini en très court, quoi. Ça me fait un peu chier de payer 20 euros pour un jeu qui va peut-être être court, quoi. Donc, peut-être pas la peine. Peut-être pas la peine. Donc, peut-être qu'en patientant un petit peu, ils vont peut-être le mettre dans le Game Pass. Peut-être que pour Noël, ils vont peut-être mettre un jeu qui est sorti récemment là, dans le Game Pass. Peut-être. Personnellement, je préfère qu'ils mettent dans le Game Pass et que je joue, puis que je finisse, et puis ouais, point barre. Que de dépenser 20 euros pour un jeu. Ça m'est déjà arrivé de jouer à des jeux du Game Pass qui. En même, enfin, en 2 heures ou 3 heures, t'as fini le jeu, quoi. 20 euros pour ça, ça fait un peu cher du jeu, quoi. C'est pareil, 70 euros pour un jeu qui finit en 2 jours ou 3 jours. Pareil, c'est pas fameux. Hein. Donc, voilà. De toute façon, il y a des jeux que j'ai déjà acheté sur les Xbox hein, qui m'ont dit pas que je croyais bien parce que bon ça avait l'air des bons jeux et puis quand j'y ai joué bah je me suis aperçu que c'était pas ça quoi. Oh, ça m'est déjà arrivé plein de fois hein. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'acheter un jeu 70 euros et puis j'arrive à la maison, je l'installe et puis je m'aperçois que le jeu c'est de la merde quoi. Donc ça arrive hein. Ça arrive. Ça arrive. Malheureusement, je dirais, mais bon, ça arrive. Hein. C'est pas. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Et ça.
Allez, ça. On peut dire que tu sais te débrouiller. Merci de m'avoir tiré de là. Si tu te bats contre la secte, tu connais déjà sûrement mon oncle Dutch. Écoute, j'ai pas de temps à perdre, alors je vais aller droit au but. J'étais sur la trace d'un des tarés de Jacob. Il se fait appeler le boucher. Ouais, c'est déjà un peu flippant comme ça. Mais crois-moi, il est encore pire. Je le tenais presque, mais une patrouille de cinglés m'est tombée dessus. Faut que tu m'aides. On doit pas laisser la piste refroidir. Ce type a massacré des tas d'innocents dans le coin. Pas question que je laisse agir sans rien faire. Faut y aller. On a déjà perdu assez de temps. Suis-moi. Par là. C'est sa signature. Des innocents brûlés vifs. Cette putain de secte enlève tout le monde. Que tu sois chez toi, au bar ou à l'église, il t'embarque. Ensuite, il te range dans deux catégories. Faible ou fort. En fait, Jacob crée sa propre armée. Et ceux qui peuvent pas ou veulent pas se battre pour lui, il les fait buter. Il appelle ça « tuer les faibles ». Ça consiste à massacrer des innocents. Personne n'y croyait, parce que personne n'avait envie d'y croire. Comment pour saboter?
quand même pour saboter. Il y a une, je crois qu'il y a une mission comme ça, tu dois saboter les... Non. Ah merde. Ah, pas de caméra, ça fait drôle, mais ça me dérange. Moi, c'est pas... Comment ça va? Ah bah, ça va. Et puis, il y a le fumier qu'on poursuit. C'est un des chouchous de Jacob. Celui qui mène la porte. Le boucher croit. Je mets pas de caméra parce que ça fait bug OBS. Puis, ça fait bug OBS et puis... Puis ça m'énerve de la... Puis ça m'énerve de la disposer... Puis ça m'énerve de la disposer un coup en haut, un coup en bas, un coup faut la mettre au milieu de l'écran, un coup faut la mettre à tout par moi, ça m'agace. Parce que selon le jeu auquel tu joues, voilà ça. Enfin moi je vois tout l'écran, mais ceux qui m'en regardent, eux, ils en voient que la moitié ou la. Enfin bref. 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 Donc comme ça m'agace, et comme ça m'agace de disposer la caméra de telle sorte pour que, enfin bref, voilà. Donc comme ça m'agace. Et bah deux secondes. Ok, on y va. Tu sais pourquoi on l'appelle le boucher? Quelques années, Jacob a envoyé un de ses gars chercher une famille. Les parents et les enfants. D'abord, il les a affamés. Il leur a rien donné, même pas une goutte de flotte. Au bout de 3 jours, ils avaient tellement soif qu'ils buvaient leur pisse. Mais les gamins résistaient. Alors les parents les ont fait boire de force. Et ils ont tout dégueulé direct. Ça n'a pas pu les boucher. Alors il a décidé d'attacher les parents à des potes. Et non, les façons de... Le dialogue depuis que je joue à ce jeu-là, c'est... Et là, au niveau parler, hier j'ai fait une mission avec, je sais plus, un gars... Enfin non, une vieille du moins. Une vieille où j'ai eu son, comment on appelle ça, une espèce de jaguar. Waouh. Peut-être t'aurais vu comment elle parlait à mamie. T'aurais vu comment elle parlait à mamie, bah, je te raconte pas. Hein. On va tous les réduire ensemble. Quel ramassis d'enfoiré. Merci. Oh, c'est... À mon avis, le CSA, il verrait le jeu là, il dirait oula. Il
Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Puis apparemment ils sont contre. Et apparemment ils sont contre Obama. Hein. Merci de m'avoir sauvé. Ah merci. Apparemment les développeurs du jeu ils ont. Apparemment les développeurs du jeu ils ont. Je crois qu'ils ont des problèmes avec Obama, je pense. Je pense qu'ils ont des problèmes avec Obama. Parce qu'à un moment dans le jeu ils parlent d'Obama et je pense qu'ils ont dû avoir des problèmes avec, je pense. Ah oui, ils font des allusions, ils font des petites allusions à la politique d'Obama, au gouvernement d'Obama. Je crois que le jeu il date de, enfin le jeu il est pas tout récent en plus, hein. Il date de l'époque où Obama était président. Et je pense que leur petit clin d'œil, enfin clin d'œil. En fait, je pense que le jeu il est un petit peu politique quoi. C'est, je pense que les développeurs ils étaient pas spécialement fans d'Obama. Tu me diras, Trump c'est pareil, mais bon, Obama. Mais bon, Obama et Trump c'est pas pareil quand même, c'est pas. Mais bon, je pense qu'il y en a aussi qui aiment pas Trump, hein. Et je serais pas surpris qu'il y ait des jeux qui sortent là cette année ou l'année prochaine, d'éditeurs qui vont peut-être faire passer un message. Par exemple, Trump, enfin, ils vont peut-être faire allusion à Trump, ils vont peut-être faire allusion à Trump, tu vois, sa politique, tout ça. Mais Far Cry 5, j'ai dit, ah tiens, il parle d'Obama. Ah, il a passé 2 ans, ouais. Et bon, voilà. Donc, je pense pas qu'un éditeur français aurait le courage de critiquer Macron. Je pense pas qu'il aurait le courage de le faire. C'est de marquer, c'est de faire des, de mettre dans les commentaires du jeu en français, ouais, Macron par-ci, Macron ceci, Macron cela. Je pense pas. Apparemment les Américains ça leur pose pas de problème. Apparemment les Américains ça dérange personne qui parle d'Obama. Mais en France je pense que... Non. Ah oui mais il était mieux, ouais bah tu dis pareil que ma mère. Ah oui non mais... grâce à Trump, enfin grâce à Obama ils ont la... Grâce à Obama, ils ont eu un truc pour l'assurance maladie, chose qu'il n'y avait pas avant avec Bush. Ah oui, non, mais c'est Obama, il a fait des bonnes choses hein, pour les Américains, ça c'est sûr. Trump, de toute façon, Trump là, attends, je sais parler parce que. Trump, de toute façon, il va être destitué. Hein. C'est ce que j'ai encore entendu aux infos là tout à l'heure. Enfin, hier ou je sais plus quand. Hein. De toute façon, il va être. Il y a une procédure de décision contre lui. À mon avis, il est mal barré, Trump. Hein. Il est mal barré. Oula. Je pense qu'il est vraiment mal barré, quoi. Je pense qu'il est pas prêt d'être président très longtemps, quoi. Putain, mais... Il peut pas crever ce qu'on a. Allez, on... Après, je sais pas si la destitution elle va fonctionner, mais bon. Voilà, c'est fini. Ah, je sais pas, on verra bien. Mais bon. On verra bien. Le boucher est mort. Mais c'est vrai que Trump, il est pas. Mon
seul objectif, c'était Trump. Mais c'est vrai que Trump, il a pas toute sa tête, hein, c'est vrai. Je sais pas. Mais bon. Je sais pas ce que je dois faire. Dutch avait raison sur plein de trucs, en fait. La secte, Ellie. Il a peut-être raison aussi à ton sujet. Ah bon? Je m'en fous. Moi, je m'en fous. Mais non. Mais non, tu essaies parce que t'es en colère. Merde. Mais non. Mais non. Mais non. Ah, comment tu l'as dit, quoi. Ah, putain, comment tu l'as dit. Ah, je t'adore. Je t'adore. Ah, je t'adore. Je t'adore comment t'as dit le truc, quoi. Ah, mais il y a des chansons sur Fortnite, mais tu t'en fous. Ah, c'est le truc comment tu l'as dit, quoi. Ah, ça va peut-être te surprendre, ça va peut-être t'étonner, mais j'ai eu l'occasion d'avoir la Switch à Inter. Enfin bref, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai eu l'occasion de l'avoir. Et donc j'ai téléchargé comment on appelle ça, Fortnite. Et figure-toi que je joue que ça m'arrive d'y jouer sur la Switch. Et ça paraît bizarre comme ça quand je vais le dire, mais j'arrive mieux sur la Switch que j'arrive à jouer sur la Xbox. Surtout avec leur nouvelle carte là et leur nouveau système. Ah, je suis le premier à critiquer, hein, ça c'est sûr. Je suis le premier à critiquer en l'argent à travers, mais je dois bien reconnaître que les mises à jour qu'ils ont fait là, tout récemment là, je dois bien reconnaître que bon, voilà, ça aide un peu plus les gens qui sont pas très très fous comme moi. Voilà. Bon, je vais pas non plus y passer des heures et des heures sur le jeu, hein. Quand j'y joue sur la Switch, j'y joue beaucoup moins que j'y jouais sur la Xbox, hein. J'y joue une petite demi-heure et puis voilà. J'essaie de monter mes niveaux et puis voilà, j'y joue une fois, deux fois, trois fois grand max et puis après je passe à Rayman Royale et je passe à autre chose. Je dois bien reconnaître que oui, c'est pas, oui. J'aime bien ta façon de dire les choses, quoi. Ah putain, ah, j'adore ta façon de dire les choses, quoi. Ah, j'adore ça. Ah, tu m'en fais tousser, tiens. Tu m'en fais tousser. Ah, attends, récupère toutes les lances pour ça. Trouver les sanctuaires. Ouais, je vais pas trouver. Convoi. Ah. Alors, on va essayer de faire le convoi. Il est où le convoi? Oui, c'est ça. Il est où le convoi? Il est où le convoi? Oh, il est là-bas, non. Pas la peine, trop loin. Je suis pas encore là-bas, c'est pas la peine. Hop là. Tu l'as surveillé. On va s'intéresser déjà aux trucs qui sont proches, hein. On va pas s'intéresser à... Ah, bah attends, je peux le faire aussi, lui? Ah, je suis là-bas. Ah, bah tiens, hop. On va faire lui, tiens. Là, je savais pas qu'on pouvait le faire, lui. Moi, tu veux bien. Elle en a pas mal bavé. Ah, lui, c'est un grand malade, lui. Lui, le mec que j'ai pris là pour être mon... C'est un grand malade, lui. Il prend des lance-roquettes. Il prend des lance-roquettes. C'est un grand malade, lui. C'est un grand malade. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, c'est lui, Urk. Oui, c'est un grand malade, lui. C'est un... J'ai bien dit aussi, ça finit bien. J'ai bien... Ah, ça fait bien rire, hein. Mais c'est la façon comment tu dis les choses, quoi. C'est... Ils ont fait un truc, tu t'en fous. Ah, t'es pas totalement dans le faux, je m'en fous. Mais, bon... T'es pas totalement dans le... C'est...
t'es pas totalement dans le faux, mais bon, faut pas être comme ça non plus, quoi. Ah putain, comment t'as dit ça, quoi? Ah, je rêve, comment t'as dit ça? Alors, attends, dépassement rapide, hop là. Ah vache. Ah purée. Bon, alors. Il ouvre le machin. Ah la vache. Par contre, ce que j'attends qu'ils fassent sur la... Par contre, ce que j'attends qu'ils fassent sur la Switch, qu'ils... Par contre, j'attends... Par contre, ce que j'attends que j'aimerais bien qu'ils mettent sur la Switch, c'est PUBG et puis Apex. Apex. J'aimerais bien qu'ils mettent, j'aimerais bien qu'ils mettent ces jeux-là sur la Switch. Je sais pas si ça va se faire un jour, mais bon. Réglé comme des horloges. Qu'est-ce que tu restes là? Je bouge. Je bouge. Je sais pas si un jour ça va se faire, j'en sais rien. Faut qu'on se tienne prêt. Ah oui, c'est un grand malade lui avec son sens. Ah bah, arrête de bouger dans tous les sens. Ok, c'est à nous de jouer. Mais moi, je les connais, ces connards. Réglés comme des horloges. Les camions qu'ils envoient pour chercher leur prochaine recrue sont déjà en route. Je vais organiser un comité d'accueil pour quand ils passeront la porte. On va transformer ces camions en feux d'artifice. Ils seront inutilisables. Mais quoi qu'il arrive, ils doivent surtout pas s'enfuir. Je me demande si on aurait pu discuter au lieu de se battre. Oula. Préparez l'embuscade. Oula. Ah oui, c'est un grand malade, lui. Le seul homme qu'il utilise, c'est ça. C'est son lance-roquette, là. C'est un grand malade. Quand tu transformes en poulet, c'est marrant. Ah ouais. Ah bah, bah, toi, sur la Switch, je me... Sur la Switch, comparé à la Xbox, je me transforme pas tant que ça en poulet. Sur la Switch, j'arrive à faire plus de kills que sur la Xbox. C'est vrai, hein. C'est... Ellie a pensé à tout. Il y a même une douche, t'y crois? Détruire... Et ça, c'est pour une cause que j'ai mis. Bah oui, mais... Attends, je la vois. Droit. Ah. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. Alors c'est toi l'officier dont tout le monde parle. Regarde un peu comment je bougeais. Je vais courir tellement vers le temps, dans tes yeux. Allez, lance ton truc, là. Allez, lance. Mais lance ton truc, toi! Oh putain, mais lance! Bon bah voilà, c'est fini. Eh ouais, mais ils tuent pas les autres là. Tue-le, toi! Mais tue-le! Allons! Attends, parce que là j'ai reçu des filles, mais je sais même pas ce que j'ai reçu comme des filles. Alors, l'émission par sabotage, ça c'est bon, nickel. Voilà. Eh ben non. Heureusement qu'il faut en faire que 5, hein, parce qu'ils ont mal barré. Alors bon, ça c'est nickel, super super nickel. Attends, ça c'est bon, ça c'est nickel. Là-bas, bah, j'ai essayé mais je peux pas, donc je peux pas insister. Euh,
tiens, on va essayer. On va essayer la cage de survivaliste, tiens. Hop, ça on peut bien le faire. De toute façon, il va bien falloir que je le fasse un jour, de toute façon, donc que je le fasse maintenant ou demain. Oui, Assassin's Creed, tu t'avais fait un jeu que j'aime bien aussi avant celui qui se passe en Grèce. Ah oui, Assassin's Creed, ouais. Bah, j'ai fait les deux, j'ai fait Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, ouais. Ouais, j'avais fait les deux. Un grand malade, lui. C'est un grand malade. Il est complètement taré. Complètement taré. Ouais, d'accord. Oh, putain. Complètement taré. Ah, tu peux viser, lui, là. Hein, tu peux viser, lui. Hein, tu peux viser, lui. Non, je peux pas. Tu le vises ou je le vise? Voilà, et ainsi. Vas-y, lance, mais lance. Ah, oh, putain, mais lance un missile. Mais lance un missile. Ah, voilà, et non. Quand je dis que c'est un grand malade. Je bouge mon corps d'Apollon et mon sexe d'éléphant. Ah, tu l'as pas vu? Ah bah c'est parce que peut-être qu'on sait pas Origine, mais bah, peut-être que tu m'as pas croisé sur Twitch quand je diffusais dessus. Oh, Origine, ça fait un petit peu hein, que je diffusais dessus, hein. Ça fait un petit peu. Ça date hein. C'est pas tout récent. Hein. C'est pas tout récent. Mais je sais que j'en ai vu un là, sur Mixer diffusé dessus tout à l'heure là sur Origine. Quand je lui ai dit que Odyssey était. Enfin que moi je le trouvais mieux qu'Origine. Enfin non que oui, que Odyssey je trouve mieux qu'Origine parce que Odyssey il est quand même long hein. Odyssey. C'est juste tout. Il est quand même plus long hein, Odyssey. Hein. Il est quand même plus long. Il est plus long mais il se finit. Je trouve qu'il se finit bizarrement. Il se finit mais j'ai pas trouvé pas j'aime bien quand les jeux se finissent normalement et logiquement, on va dire, mais je sais pas, Odyssey il se finit bizarrement quoi, c'est pas à la fin quand t'as fini toutes les missions qu'il te reste plus que les extensions à faire. Bah t'as je sais pas, t'as l'impression que je sais pas, t'as l'impression que c'est t'as l'impression que qu'il va y avoir un autre, il va y avoir un autre Assassin's Creed qui vont peut-être en faire un autre avec une autre version, avec une autre fin. Je sais pas. Mais je crois, il me semble qu'ils ont prévu. Je crois qu'ils ont prévu d'en faire un. D'ailleurs, un prochain Assassin's Creed. Je sais plus dans quel pays, mais je sais qu'ils ont prévu d'en faire un autre. Le problème des assassins, c'est que. Comment dire, c'est le problème des assassins, c'est ça qui me plaît pas trop, c'est que t'as pas de vraie fin quoi, t'as pas une fin qui se finit puis voilà c'est fini, non. Je sais pas comment expliquer, je sais pas comment expliquer. Activer commande de la drogue, c'est la drogue. Ouais. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas. À l'époque, dans les trois premiers Assassin's Creed, t'avais vraiment une fin. Quand le premier, tu jouais au premier, ça se finissait, bah comme ça se finissait quoi. Mais là, c'est vrai que les Assassin's Creed là qu'ils ont fait après, c'est bof quoi. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. C'est... Ouais.
Bon. J'ai même presque limite dire ça se finit parce que voilà, mais sans plus quoi. Sans plus. Alors, les commandes de la drague. Ouais. Déjà, faudrait peut-être que je réussisse à aller par là. Hein, c'est ça. Non, pas par là. Ah, d'accord, là-haut. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que l'Assassin's Creed, ça pourrait être bien si... S'il faut en sorte que le... S'il faut en sorte que quand ça se finisse bien. Mais bon, je sais pas. C'est... Je sais pas. Alors, attends, parce que là... ok... Je sais pas. C'est... Je sais pas, c'est bizarre. Dans le bunker. C'est ça le bunker? Voyons. Voyons. Elle est aussi profonde pour ramasser que trois malheureux. Oula. Je prends un risque là parce que. Oula. Et elle est où la carte? Ah bah là. Évidemment. Et toi t'es là. Bon bah voilà, c'est bon tout ça. Légion. 2020 ? Oh bah non. Assassin's Creed Légion ? Eh bah non. T'en sais des choses toi ? T'en sais plus que moi en tout cas, parce que moi alors là je savais même pas que ça s'appelait Légion. Puis je savais encore moins que ça allait sortir en 2020. Et non. Bah comme ça je me coucherai moins qu'on soir. Légion. À Rome. Mais à Rome, Assassin's Creed 2, ils étaient... Assassin's Creed 2, ça se passait déjà à Rome, il me semble. Non? Bah si, parce que ça se passait à Rome, parce que c'était dans le... Bah oui, ça se passait à Rome, parce que à l'époque, t'avais... À l'époque, tu rentrais dans le truc du pape. À Rome, justement. Au Vatican. Ils vont encore refaire un truc de Rome.
Ils savent vraiment plus quoi inventer, hein. Ils savent vraiment plus quoi inventer, hein. Attends, je vais prendre l'air parce que... Après qu'il le fasse en harem, ouais, pourquoi pas, mais bon, fallait pas qu'il... Après qu'il le fasse en harem, ouais, ça peut s'embrouiller, mais bon, qu'il... Faudrait pas qu'il fasse comme sur Assassin's Creed Odyssey, qu'il fasse que le jeu, bah, quand il va... Enfin, que le jeu se mise comme un petit peu en peau de... que le jeu se finisse en peau de boudin, enfin, en peau de boudin, quoi, c'est-à-dire que... Faudrait qu'il fasse au moins un pro d'église sur origine et là Grèce avec l'ici le dernier chaînon qui est à Rome pourrait être abordé. Ouais, mais c'est pas une mauvaise idée qu'il fasse Rome, mais bon, le problème, comme je dis, Rome c'est ouais, mais faut. Bah mais le problème des assassins, tu vois, c'est le problème des assassins, et ça y a plein de monde qui le dit. Le problème avec les Assassin's Creed, c'est que les trois premiers, il y avait un milieu, un début, une fin dans l'histoire. Mais après ils ont fait un peu n'importe quoi, quoi. Parce que après les trois premiers Assassin's Creed, ça ressemblait plus à grand chose, quoi. Ça ressemblait à plus grand chose. Ce que j'espère, c'est qu'avec le Assassin's Creed Legend que tu me parles, hein, j'espère qu'il y aura une histoire et que l'histoire sera... qu'il y aura une logique, quoi. Qu'il y aura une logique. Parce que si c'est pour... Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que Odyssey, personnellement, à la fin du jeu... Ça m'a pas paru... que ça se finissait logique, quoi, qu'il y avait une logique à l'histoire, ça m'a pas... Bah, je sais pas, m'a pas... Oula. Oula, bah, non, t'écris... Son nom devrait sortir des millions et nous fera incarner un choix. Oula. Cassius ou Lucia... Attends, Lucia... Si le jeu sera centré sur Rome en Italie, berceau de la civilisation romaine, on nous promet aussi des passages en Kildesh, en Germanie, en Corse ou encore en Sardaigne. Nous aurons donc de nouveau droit à une navigation en bateau, mais dont la part dans le gameplay devrait être inférieure à ce que nous avons vu dans Odyssey. Ah bon? Ah. Bah écoute, on verra ça, hein. On verra quand je serai là, hein. On verra quand je serai là. Mais bon, Odyssey, ils disent qu'il y a des phases de bateau. Ouais, il y a des phases de bateau, mais bon. C'est pas autant que sur Black Flag, hein. Parce que Black Flag, t'incarnais un pirate, et là les phases de bateau, il y avait beaucoup de phases de bateau, hein, sur Black Flag. Hein. Il y avait beaucoup de phases de bateau. D'ailleurs, je m'en rappelle, c'est l'un des seuls Assassin's Creed où j'avais fait toutes les mémoires à 100%, etc. Où j'avais fait toutes les synchronisations à 100%. D'ailleurs, je m'étais emmerdé à les faire, d'ailleurs. Et je m'étais emmerdé à les faire. J'avais galéré à les faire les ondes, les trucs... Oh la vache. Qu'est-ce que j'avais galéré. Bon, on va aller voir ça, machin. J'en avais chier pour les faire les synchronisations. Ah la vache. Et bon, là où j'ai le plus galéré, ça prend énormément de temps. Là où j'avais le plus galéré sur les synchronisations, c'est à un moment, c'est quand tu étais dans un bateau pirate, qu'il fallait faire des trucs avec les canons, fallait tirer d'une certaine manière, fallait le faire deux ou trois fois.
J'avais tellement pas compris ce qu'il demandait de faire pour que la synchronisation elle soit complète. J'avais tellement rien compris à ce qu'il me demandait que j'avais regardé sur internet. En fait, fallait que je tire avec le canon, mais de telle sorte que le canon il tire qu'il parte en l'air, mais qu'il atterrisse en biais. Enfin, dire comme ça, tu dis mais de quoi il parle. En fait, c'est quand tu tires avec le canon, fait que le canon et paf, il tire, puis que hop, qui tombe d'une certaine manière sur les bateaux, quoi. Et ça j'avais galéré à le faire, quoi. J'avais galéré à le faire. J'y suis arrivé, hein, mais... Mais j'en ai chié, hein. J'en ai chié. Vous étiez la pile au bon moment. Toute mon équipe a été enlevée et balancée à ces monstres pour qu'ils s'entraînent. J'en avais vraiment chié. J'ai beaucoup de chance. J'ai failli y passer aussi. Quelqu'un qui s'est levé du bras gauche par ici. J'en avais vraiment chié. Mais bon, en persévérant, j'ai réussi. Ils disent aussi que ce troisième volet devrait être encore plus impressionnant que les deux précédents et viendra apporter une conclusion épique à cette trilogie qui a fait un vent nouveau sur une saga qui commençait à avoir du mal à se renouveler. Ils appellent ça trilogie, hein ? Ils considèrent que c'est une trilogie ? Ils considèrent ça comme une trilogie, hein ? Je voudrais pas être désagréable, mais si je voudrais pas être désagréable, mais s'ils considèrent ça comme une trilogie, pour moi, les trois premiers Assassin's Creed, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, là c'était une trilogie. On peut pas tellement considérer que... Après... Putain, mais il est nul, lui, c'est un boulet. Putain, c'est un boulet, lui. C'est un boulet. Il est où? Tiens, mais j'entends l'hélicoptère, mais je vois pas. Il est où? Putain, mais il est où? C'est sûr. Un persévérant, on y arrivera toujours. Oui, il considère ça comme un renouveau du gaming original et Odyssey. Alors, ils font le basé sur l'origine. Ouais. Pour moi, c'est pas trop une trilogie, mais bon. Pour moi, ça ressemble plus à... Je sais pas. Pour moi, ça ressemble pas à une trilogie, hein. Franchement. Pour moi, ça ressemble surtout à... À tout sauf une trilogie. C'est... Voilà. Pour moi, c'est pas une trilogie. C'est... Non. Après, peut-être que pour eux, c'est une trilogie, hein, mais pas pour moi. Ah bah non, c'est pas du tout une trilogie. Tiens, c'est comme si ils disaient que les Star Wars, que c'était une trilogie. C'est pareil. Les Star Wars, c'est pas du tout une trilogie. Les Star Wars, ils ont fait je sais pas combien de Star Wars. Quand tu comptes bien tous les Star Wars, c'est pas une trilogie, hein. Trilogie, il y en a au moins, je sais pas combien de Star Wars. Allez, on enfin, pour tout. Et on fait le temps que tu te réveilles, hein. Allez, mais tire! Oh non! Oh putain! Putain, mais les boulets, quoi! Putain, le boulet!
Putain, mais il est nu celui-là. Il est mort en plus. Oh là là, le boulet. Oh le boulet. Oh, je te raconte pas quoi, le boulet. J'entends les cinglés mourir de façon accidentelle. Continue comme ça. Je te raconte pas les boulets quoi. Raconte pas les boulets. Oh le boulet quoi. Mais non. Ah non. Il paraît que les gauchistes et les Canadiens sont aussi très maladroits. En plus de ne pas voter pour moi. Enfin, je dis ça comme ça. Oh le boulet quoi. Oula. Vous avez réussi. Bien joué. Vous et moi, on va rendre le Montana great again. Je vais vous dire. Et si vous preniez Nancy, si vous nettoyez la région au volant de mon pick-up, sympa. Et s'il me fait mal avec ce mec, c'est qu'il a un fils qu'il aime pas, qui peut pas blairer. Je sais pas son fils, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais il peut pas le blairer son fils. Il peut pas le blairer. Pas pour l'air, mais bon. Comme ça. Son fils, il peut pas l'avoir en pâture. Bah oui, bah le bazooka de toute façon, avec les hélicoptères, de toute manière, si t'as pas de bazooka, c'est pas en les dégommant avec ta mitraillette que tu vas réussir à les dégommer, hein. Ah ouais, non, ils peuvent pas se sentir, non. C'est pourtant père et fils, mais... qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, ils peuvent vraiment pas se sentir. Ils peuvent vraiment pas se sentir. Ah non, c'est... non. Captain quoi? Captain Rainbow Boom, le bazooka? Ah, je connais pas. Je connais pas Rainbow Boom. Je connais pas. Bon, bah, moi, en tout cas, je vais aller me mettre en arme et puis je vais aller faire mon petit tour. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Tu fais un super boulot. Puis après, on va continuer gentiment. On va continuer gentiment. Voilà, voilà. Tac. Ah bah à bientôt et puis merci d'avoir fait le petit passage, je serai mort. Ah ouais tiens, avant que j'arrête là, hier il y en a un qui vient sur mon live et qui me dit j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça d'ailleurs, mais bon, à un moment le mec il me dit tu craques. Puis je lui dis je craque. Qu'est-ce que ça s'appelle par craquer? Et le mec il me dit tu craques. Bon. Moi je continue à jouer. Puis le mec il insiste, il dirait mais quand tu manipules quelque chose, tu craques. Je fais mais qu'est-ce que t'appelles par craquer? Alors à un moment donné je me repose, je mets sur mon téléphone, puis je retire mon casque d'oreille, c'est pour entendre sur mon
Est-ce que ça fait sur mon téléphone? Puis je crois que j'ai raté ce mixeur ou tu vas ce mixeur. Puis sur mon téléphone, j'entends que son jeu est normal, que ma voix est normale. Bon, y a pas de problème. Puis mais à un moment, je dis ok, je dis fais, mais qu'est-ce que je craque? Le son il est normal, enfin voilà quoi. Il y a pas de bruit désagréable, enfin y a pas de problème quoi. Et à un moment donné, le mec il me dit, ouais bon, bon bye. J'ai fait ok, d'accord, bon, je craque. Alors en plus, il me dit craque, alors il me l'a écrit C-R-A-C-K. Ah bon. Alors, comme j'ai pas compris ce qu'il a voulu me dire, j'ai dit ouais, bah si tu te dis je craque, bon. Comme on dit, il faut pas contrarier les fous, ça les rend méchants. Donc j'ai dit bon bah puisque tu dis que je craque hein. Comme j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Je craque, bon. Ça me fait penser à ceux que j'avais sur la Xbox quand je m'achetais un nouveau micro à Micromania. Et que pour le tester, j'ai rejoint un groupe d'amis et que les mecs me disaient ah, on t'entend pas, quoi. Alors j'avais réussi à avoir un micro en revendant des jeux. Et voilà. En revendant leur micro, en revendant un certain nombre de jeux, j'avais oui voilà, à répondre au con sur les inscrits, ouais. J'avais acheté un micro qui était quand même relativement cher à l'époque, et donc j'avais revendu 3 ou 4 jeux pour pouvoir m'acheter. Puis j'arrive à la maison, je le branche à la manette, je fais un test, puis je rejoins un groupe d'amis comme ça et je parle et les gars me disent hein quoi, on t'entend pas, hein quoi. Puis il y a ma mère qui était à côté, et à un moment ma mère a dit oh, ça vous amuse de je sais pas quoi. Puis à un moment donné, il y a un gars dans le groupe d'amis, je sais plus qui, je sais plus son nom. À un moment il me dit ouais, t'as besoin de ta mère pour te défendre, tu peux pas te défendre seul. Puis là je dis au mec, je dis ah bah tu vois que tu m'entends, bah tu vois que t'entends bien puisque t'as entendu ma mère. Preuve que tu m'entends puisque tu as entendu ma mère. Donc c'est que tu entends. Donc si mon micro marche, fonctionne. Contrairement à ce que tu es en train de me dire. Donc c'est qu'il fonctionne mon micro. C'est qu'il fonctionne. Ah oui. Le mec il s'est senti comme un con, il s'est trouvé tout con. Et là il me dit je sais plus comment il me dit, après il se barre. Bah écoute, c'est bien beau de me faire croire que mon micro qui coûtait quand même cher à l'époque fonctionne pas alors qu'il a entendu ma mère. Hein. Au pire, si tu veux faire une farce à quelqu'un, tu lui dis pas. Au pire, si tu veux faire une farce comme ça, faut éviter de lui dire bah tiens, ta mère ou ta femme ou je sais pas qui est à côté de toi, parce que forcément, forcément ça marche pas, hein, forcément. Donc. Ah oui, écoute, ça paraît évident, hein, je sais pas, ouais, bon. Mais bon, enfin bref. Bref. Bon, ça remonte à il y a quelques temps derrière. Hein. Ah bah oui, je suis senti tout con, mais c'est barré du groupe d'amis d'ailleurs. Il s'est barré du groupe d'amis. Mais bon, comme ça, hein. C'est comme ça. Ah, mais t'en as, ils sont très. T'en as, quand ils veulent faire croire des choses aux autres, ils sont très cons, hein, parce qu'ils sont. C'est t'en as, ils ont du mal à. Mais bon, ça malheureusement, c'est comme ça, hein, t'es pas hein, c'est comme ça. Bon allez, moi je te laisse, attends, je sais plus ton pseudo, Tremor, et je vais faire mon tour, parce que là il fait soleil, bon il fait peut-être froid, mais il fait soleil. Puis bah écoute, hein, Tremor, à une prochaine fois, et peut-être une prochaine fois, et puis voilà. Puis bon après-midi à toi aussi, hein. Puis voilà. Allez, à plus tard, Tremor.